Oui, bonjour, je me présente. Je m'appelle Monsieur Alexis Ali. C'était un événement brusque. Ça s'est passé en 1999, en bas de chez moi. Je suis allé chercher mes enfants et ma femme après les courses. J'ai remonté les enfants, puis je suis redescendu pour prendre les courses. Et comme par hasard, je montais avec les courses. J'avais les sacs de courses dans les mains. Et j'ai entendu une détonation, pouf, je me suis retrouvé par terre. Et j'ai entendu des gens crier, disaient que comme quoi c'est un père de famille, c'est un père de famille, c'est un père de famille. Moi, je ne me suis pas rendu compte sur le coup, hein, directement. Et en ce moment-là, je voyais du sang couler sur ma chemise, même jusqu'à maintenant, la chemise, mais tous les habits que j'ai mis à cette époque-là, je l'ai encore, hein, je ne l'ai pas jeté. Je les ai encore. Avant que ça arrive, je les ai vus passer. C'est-à-dire que la voiture remontait dans l'autre sens. Et moi, j'étais presque en face de l'escalier pour remonter sur notre terrasse. Parce que pour rentrer chez moi, il faut monter d'abord sur la terrasse avant de rentrer dans le bâtiment. C'est après que j'ai appris que comme quoi ils ont intervenu parce qu'il y a eu une vol de scooter de pizza. Et après la blessure, hein, c'est-à-dire il y a une jeune fille qui s'appelait à l'époque Sophie, ouais, Sophie. Elle a pris mes sacs, les sacs des courses que j'avais dans les mains. Elle les a montés ici. C'est elle qui a prévenu ma femme comme quoi qui a expliqué à ma femme qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai même pas pu monter ici. J'étais blessé en bas, mais j'ai vu ma femme descendre. Et en ce moment-là, la police me dit de rentrer dans la voiture. Et puis les jeunes, ils me disent non, ne rentre pas dans leur voiture, n'accepte pas. Et on est allé de là où j'étais blessé jusqu'à sur la route. C'est en ce moment-là, je suis resté presque 1 heure, hein, à attendre l'ambulance. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. J'étais par terre, accroupi par terre, hein, juste en face du petit magasin. Le magasin y était toujours. Et j'étais accroupi par terre parce que le sang coulait. Hein. J'avais l'œil qui. Le globe de l'œil est sorti et le sang coulait sur mes vêtements. Et ça coulait, je m'étais à genoux comme ça. Et là, en ce moment-là, les renforts commencent à venir. Renforts de police. Hein. Ils commencent à venir. Et puis les trois policiers qui étaient là, qui a commis la bavure. La police, il les a mis au milieu et ils étaient tout autour de trois policiers. Ils protégeaient et les jeunes commencent à s'approcher, à s'approcher. En ce moment-là, il y a eu ouais, c'est la Croix-Rouge. C'était pas une ambulance. C'est une, ouais, je crois que c'est la Croix-Rouge. C'était pas le pompier. Parce que d'ici, de là où il y a la caserne de pompiers, c'est même pas 1 km d'ici. Ils ont même pas appelé le pompier. Non, ils m'ont ramené d'abord à Saint-Camille, à 900 ou 1 km d'ici. Ils m'ont ramené là, et de là-bas, quand ils ont constaté la blessure, ils ont dit non, on ne peut pas le faire, il faut le rapatrier sur Hôtel Dieu. Et là, ils m'ont mis dans une autre ambulance qui était sur place, et cette ambulance-là m'a ramené directement à Hôtel Dieu. Mais je me souviens à cette époque-là, il y a eu quoi? Il y a une escorte de police parce que dans l'ambulance, là où j'étais allongé, j'entendais la sirène de police jusqu'à Hôtel Dieu. Ouais, d'ici même, j'ai su déjà parce que je voyais avec cet œil-là, je voyais le globe était ici, là, sorti directement. Hôtel Dieu, ça s'est bien passé. Et puis de là, maintenant, j'ai rien su, qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont tout de suite mis dans le bloc opératoire. Et on m'a opéré. Je me suis réveillé à 6 h du matin, le lendemain. C'est-à-dire que ça s'est passé à peu près à 21 h à l'été. Hein. C'est l'été. Hein. C'est-à-dire que ça s'est passé à 21 h. Et il y a des heures, j'ai tous les certificats avec les heures, quoi, à quelle heure je suis venu à Saint-Camille, de Saint-Camille jusqu'à Hôtel Dieu. J'ai un autre certificat aussi qui donne à quelle heure je suis arrivé jusqu'à là-bas. Tout est
Et l'intervention maintenant, ça a duré de 2 heures du matin, de 20, 23 heures jusqu'au matin. Non, non, j'ai pas eu la prothèse, j'avais un pansement directement. Non, non, j'ai eu d'autres opérations après aussi. L'opération, c'est-à-dire que le lendemain, ils m'ont dit que comme quoi ça va être, il va avoir une autre intervention parce que j'avais la façade ici qui s'est déplacée. Fracture des os et le nez aussi, qui était fracturé. Et le lendemain, pendant presque une semaine, hein, c'est-à-dire que quand on parle, j'entends, mais pas tellement par rapport au choc. C'est-à-dire que parce que là où il m'a, de là où il m'a tiré, ça, il fait même pas 10 mètres à 15 mètres, pas plus. C'est tout près. La prothèse, je l'ai eue 3 mois après. Hein. Des douleurs de temps en temps, comme ça, des fois j'ai des petites vertiges. Ça a changé beaucoup parce que j'ai perdu déjà à cette époque-là. Quand j'ai eu l'accident le 17 juillet 99, et normalement j'ai eu une offre d'emploi le lundi des 17, 17, 18, 19, j'avais rendez-vous pour un emploi. Parce que je sortais d'une formation longue en administrateur de réseau, avec l'équivalent d'un ingénieur réseau, si vous voulez. Et du coup, j'ai pas pu me présenter le 19. Du coup, ça a enchaîné, vu que j'ai perdu l'œil maintenant pour un administrateur à voir. Il fallait que je ne pourrais jamais porter de lunettes. Il fallait que je fasse une paire de lunettes, mettre les prothèses, parce que avec un œil comme ça, c'est se présenter dans un boulot, c'est pas tellement présentable. J'ai entendu presque 3 mois, 3 mois passés, puis j'ai pris contact, mais c'était trop tard. C'est-à-dire que la place était prise. Et du coup, jusqu'à maintenant, j'exerce pas parce que c'est le seul boulot. J'étais technicien en informatique, et puis je faisais administrateur en réseau. Formation en administrateur en réseau, et puis du coup j'ai de temps en temps à l'époque je travaillais pour subvenir à mes besoins, de faire des petits boulots à droite à gauche, mais c'est pas tellement ça, ça dépend d'habitude aussi, c'est pas mes habitudes. Alors moi-même personnellement je me sens pas apte à faire quoi que ce soit, parce que c'est que le visionner, c'est-à-dire que si j'ai de quelqu'un qui me parle de côté droit, je suis obligé de tourner tout le corps pour m'orienter en face. Même souvent, quand je marche, souvent, vu que les gens, je bouscule les gens, hein, des fois, ça arrive à cause de ça. C'est pas la même visu. Hein. À conduire, oui. C'est que j'ai repris à conduire, vu que je conduisais depuis, j'ai repris à conduire un an après, hein, pas tout de suite. Hein. C'est que je faisais des petites courses dans le coin, et puis au fur et à mesure, Oh oui, même 2 fois par exemple, pour me servir, 2 fois, les gens à côté, 2 fois, me font des petites remarques, mais vu qu'ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai. Des fois, je renverse, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de verser là, j'arrive pas à centraliser soit une bouilloire ou une bouteille d'eau. Je suis obligé, des fois, par exemple, de me mettre collé pour me servir. J'ai porté plainte, mais c'est-à-dire que là, j'ai porté plainte un mois et demi après. J'ai reçu une lettre chez moi du magistrat comme quoi l'affaire était classée sans suite. C'est-à-dire qu'en sortant de l'hôpital, une semaine après, 2 jours après mon accident, j'ai eu la visite d'un lieutenant de police, je me souviens pas de son nom. Son nom. Il s'est présenté, il me dit, je suis lieutenant de police, police de police, je viens pour prendre des renseignements, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Je lui ai dit comme quoi.
À cette époque-là, j'avais un cousin qui me rendait visite. Moi, je lui ai dit comme quoi, si vous voulez me poser des questions, je préfère parce que j'entendais pas bien. C'était que j'ai toujours le bourdonnement à l'oreille à cette époque-là. Et je lui ai dit justement, je préfère avoir quelqu'un à côté qui sera témoin. J'ai insisté. Ils m'ont dit non, 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 non. Moi, j'ai dit non, il me faut un témoin. Et puis là, il y a l'adjoint du chirurgien qui a accepté de témoigner, être présent. Et puis j'avais un cousin et on s'est fixé rendez-vous 4 jours ou 5 jours après parce que je lui ai dit, deux fois, quand vous me parlez, je n'entendais pas. Et il est revenu 3 jours ou 4 jours après. C'est là où il me commence à me poser des questions et tout ça, j'ai répondu. Et il m'a dit justement, je vous convoque une fois que vous êtes sorti de l'hôpital. Je n'ai jamais été convoqué ni au commissariat, rien du tout. Hein. J'ai changé deux avocats. Il y a eu un premier avocat et puis il y avait l'avocat que la Ligue des droits de l'homme m'a confié. Et l'avocat qu'on avait avant, tout au début, c'est lui qui a commencé à torpiller l'affaire. Parce qu'il disait, ouais, si j'ai un autre avocat, je me retire. Et puis si vous faites une manifestation, je me retire. Mais moi, je lui ai dit, mais non, non, c'est le contraire. Ce que j'ai dit à l'avocat, c'est le contraire. Au contraire, plus c'est publié, plus il y a une manifestation, c'est plus il faut que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste dans une souricière. C'est-à-dire qu'au contraire, il fallait que l'affaire s'explose en plein jour. Comme ça, on pourrait le suivre. La police, après, j'ai été à. De peloton, le peloton de la police. J'étais une fois accompagné quelqu'un au service de. À Fontenay, là, à l'OFPRA. Et comme par hasard, j'avais un copain d'enfance qui travaille là-bas. J'ai discuté avec lui. C'est lui qui m'a dit que, comme après, le lendemain, il me rappelle. Il me dit, oui, voilà, j'ai un collègue là-bas qui travaille avec moi. Là, il me demandait si je te connaissais et tout ça. Et puis, et entre-temps, lui, quand il m'a vu, il s'est approché de moi. Et puis, on discutait comme ça. Et puis, vous ne vous souvenez pas de moi? Moi, je dis, si, je vous vois, votre tête me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas d'où. Mais c'est ça. Il y a eu un événement, mais je vous ai vu quelque part. C'est en ce moment-là qu'il me dit que comme quoi il était dans le peloton de la police qui était là. C'est-à-dire que depuis cette affaire-là, on les a aménagés ailleurs. Ils travaillaient. Il était toujours dans la police, il paraît, d'après le compatriote. Hein, il est toujours dans la police, mais il travaillait à l'OFPRA. Et une semaine après, il a disparu. Il n'était plus là-bas, à l'OFPRA. C'est-à-dire qu'il y a eu deux personnes qui acceptaient de témoigner. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait plus de deux personnes, parce qu'il faisait jour. Hein. Les jours de l'accident, il faisait jour. Hein. Les jours de l'accident. Mais il y avait deux seulement qui se sont portés volontaires pour témoigner. Et un des témoins, c'est lui-même qui a téléphoné au police secours, au pompier. C'est lui qui a téléphoné au pompier, c'est le premier témoin. Et même il m'a fait une attestation comme quoi il acceptait de témoigner. C'est lui qui a appelé et tout ça, il m'a fait cette attestation-là. Mais eux, entre-temps, en sortant de l'hôpital, j'essayais de le contacter. Ils étaient toujours d'accord de témoigner. Mais entre-temps, ils m'ont contacté par téléphone en me disant que comme quoi, ils veulent plus témoigner. Si vous voulez toujours témoigner, ils veulent toujours témoigner, mais m'a laissé un mot écrit et pas par téléphone. Hein. Il m'a laissé son adresse, numéro de téléphone, comme quoi il déménageait même, il quitte Villiers, il va chez son frère, habiter chez son frère parce qu'il reçoit, et puis il va changer le numéro de téléphone. Parce qu'il recevait des téléphones de la police, de nos gens. En lui disant que ouais, c'est pas votre affaire, ne vous mêlez pas de cette affaire-là et tout ça, c'est pas vos affaires. À chaque fois, ils reçoivent des coups de fil, des harcèlements par téléphone. Ah oui, il y a eu des pressions sur les témoins. Hein. Qui étaient d'accord. Mais maintenant, j'en ai discuté après, de 4 ans ou 5 ans après cette affaire-là, j'en ai discuté puisque je connaissais la plupart des gens qui étaient dehors. Je les ai vus dehors. Eux, ils disaient que comme quoi nous on avait peur parce qu'à chaque fois, vu qu'à chaque fois on nous embarque, on est en garde à vue et tout ça, ils n'ont pas voulu témoigner. Mais il y en a d'autres, même maintenant, là, ils accepteraient de témoigner. Hein.
Du coup, c'est le parquet De Créteil, hein, de le Créteil. parquet de Créteil qui a classé l'affaire sans suite. Et c'était un mois après. Un mois après, ouais. L'affaire était classée sans suite, et puis l'avocat, j'ai pris un autre avocat. Et l'avocat que j'avais pris, c'est un monsieur, j'ai son nom, hein, j'ai tout les coordonnées de cet avocat-là. Je lui ai dit, le premier avocat, comme quoi, moi je veux mes dossiers. Il me dit, non, c'est des dossiers confidentiels que je ne peux pas te remettre. Il faut que tu dis à ton avocat, si je confie ce dossier-là à l'avocat directement. Parce que dans le procès-verbal, il y a le nom des trois policiers. Celui qui a tiré, c'est un blond. Je sais que c'est un blond qui avait une espèce de youpette ici. C'est lui qui a tiré. Ah ouais, je l'ai vu, hein, c'est-à-dire qu'il est à peu près de votre taille, mince comme vous, et puis c'était la BAC. Hein. Non, jamais été inquiété. Ni auditionné, moi j'ai jamais su comme quoi ils étaient auditionnés, mais dans le procès-verbal qu'il y avait l'avocat, il y a une fois, par hasard, le dossier était là, sur la table, j'ai profité de lire un peu, c'est là où j'ai vu le. Il y a un par contre qui s'appelle Navarro. Nom de famille. Non, jamais. J'ai jamais été convoqué. Jamais. Ni au commissariat, ni au tribunal. Jamais. J'ai jamais vu un magistrat concernant cette affaire. L'avocat que j'ai pris en deuxième, c'est un ancien magistrat de Créteil. Je lui dis, parce que justement, c'est M. Mézières qui était l'ancien premier adjoint du maire d'ici, là. Et il était conseiller municipal, c'est lui qui m'a dit de prendre cet avocat-là, parce que vu que c'est un ancien magistrat, l'affaire va s'accélérer. Et j'ai accepté, j'ai discuté, on s'est vu, on a eu rendez-vous, on a discuté et tout ça. Mais malgré tout ça, c'était toujours pareil. Moi, tout de suite après, hein, c'est aux années 2000, hein, c'est 2000, parce que j'ai changé d'avocat. Après la naissance de mon fils, là. Dernière nouvelle, c'était celui-là, l'ancien magistrat que j'ai pris. C'est lui qui m'a dit que comme quoi on va demander une réconciliation et tout ça. Comme ça, vous serez indemnisé. Moi, je lui ai dit une réconciliation. Pourquoi? Mais moi, ma plainte, moi, je préfère garder ma plainte parce que pour moi, il faut ces gens-là, il faut que ce soit. Soit on a une confrontation, mais réconciliation comme ça, et puis l'indemnisation pour être indemnisé, l'État est obligé de m'indemniser, je lui ai dit, parce que je suis pas né comme ça. Jamais eu un centime d'indemnisation ou d'aide, jamais. Ni de la mairie, ni de l'État, jamais, jusqu'à maintenant. La position de la mairie, surtout monsieur le maire de Villiers, même j'en parle aussi à l'ancienne vidéo, là, comme quoi il m'avait dit comme quoi il a écrit au ministre de l'Intérieur de l'époque. Et à chaque fois que je le vois en meeting ou je demandais de rendez-vous, jamais j'ai été reçu, hein, par le maire. J'ai jamais été reçu par le maire. À chaque fois que je le vois, même dehors, je le croise, je lui pose la question, où est-ce qu'on a mis pour la photocopie de la lettre que vous avez écrite au ministre de l'Intérieur. Il me dit oui, je vais vous l'envoyer la photocopie parce que moi j'ai dit c'est une lettre qui me concerne. J'aimerais bien avoir une copie. J'ai jamais eu ni la copie ni la réponse de cette lettre qui soi-disant qu'il l'a envoyée. Même je l'ai critiqué dans l'ancienne vidéo que je disais que comme quoi c'est pas le ministère de l'Intérieur de la France, mais le ministère de Brésil peut-être. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu ni la photocopie, ni la réponse de cette lettre. Quand je suis sorti, surtout la sortie de l'hôpital, c'était très dur parce que j'étais obligé de m'effacer de mes enfants. Hein. C'est-à-dire que ils étaient petits à cette époque-là. Ils avaient 2 ans, 3 ans, je crois. Là, 3 ans, ouais. C'était 99. Il y en a une qui est née en 97 et l'autre née en 98.
Et j'ai eu l'accident en 99. Ils avaient 2 ans et 3 ans. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le croise, même dans le couloir, hein, ils avaient peur avec le passement. Même à un moment donné, quand je suis à la maison, j'étais obligé d'enlever le passement pour rester comme ça sans passement. Parce qu'elle pleurait, elle avait peur. J'ai vu pas mal de visites de voisins, des gens qui me connaissent, qui venaient à la maison, mais c'était que je sortais pas beaucoup à cette époque-là parce que l'orientation, c'était pas tellement ça au début. Non, j'ai eu la visite, mais la visite du maire, par contre, le maire m'a envoyé un monsieur, je ne me souviens pas son nom, et le monsieur venait là me visiter de temps en temps, en me disant que comme quoi, oui, si on vous demande de manifester, tu leur dis comme quoi tu n'es pas d'accord. Moi, j'ai dit non. Les habitants de la cité, ils ont le droit de manifester contre ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. C'est que ce monsieur-là, à chaque fois il venait, et puis un jour, j'ai reçu une convocation d'un ancien gendarme. Soi-disant, il est là comme médiateur entre moi et puis le tribunal. Mais j'ai jamais voulu accepter sa convocation. Et puis il a insisté, il m'a envoyé un monsieur qui s'appelle Kader. Et j'ai dit à Kader, non, je ne vais pas le rencontrer. Bah peut-être d'après moi, oui, parce que c'est un ancien gendarme. Pour moi, il ne travaille pas pour le. Moi, pour moi, c'était un médiateur de quoi? Moi, je dis s'il veut, il peut m'aider avec mes plaintes et tout ça, pour pousser la plainte, mais Et du coup, il a dit non, moi, je suis comme médiateur et tout ça. Moi, je dis en ce cas-là, je ne peux pas vous voir pour un entretien. C'est pas la peine. Dans les presses locales, j'ai un morceau de journaux qui serait que le Parisien de cette époque. Je l'ai. Ils en parlaient juste quelques paragraphes. Mais sauf que quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai entendu du bruit, soi-disant, la police a fait une déclaration comme quoi ils ont trouvé des cailloux dans le coffre de ma voiture, c'est-à-dire qu'il a plein de cailloux. Et à cette époque-là, mes enfants qui m'ont mis au courant, soi-disant, ils sont venus là ramasser les cailloux, parce que, soi-disant, ils se défendaient, parce qu'ils recevaient ils étaient caillassés par les jeunes d'ici. Or qu'il n'y avait pas de caillassage à cette époque-là, c'est pas vrai. Oui, justement, de m'accuser, hein. C'est-à-dire que c'est comme si c'était moi le meneur de jeunes qui caillassaient le. Et quand les jeunes ils ont dit comme quoi, non, 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 c'est un père de famille, c'est là où le monsieur qui était devant, qui était costaud, c'est lui qui disait merde, merde. C'est-à-dire qu'il s'attendait pas parce que c'était une espèce la terrasse. Il y avait la terrasse, moi j'étais sous la terrasse et j'étais juste en face de l'escalier pour remonter sur la terrasse. Et j'ai entendu juste les détonations. Et je me suis retrouvé par terre avec les 2 sacs de course dans les mains. Non, mais c'est-à-dire qu'ils étaient agressés de l'autre côté. Ce qui m'a chiffonné, c'est-à-dire que lui, qui était derrière les 2 collègues à lui, parce que l'autre il faisait demi-tour avec la voiture, je voyais la voiture faire demi-tour, et l'autre qui était derrière, avec le blond qui était derrière, je le voyais comme ça. Moi je pensais qu'il menaçait quelqu'un, mais moi je ne me cassais pas la tête. Et boum, j'entendis boum, je me suis retrouvé par terre. J'ai fait le schéma parce que le lendemain, quand je suis sorti de l'hôpital, il y avait du sang hein, là où je suis tombé. Hein. Juste à côté du pilier et tout ça, il y a eu du sang. Et leur voiture, là où il était, la voiture faisait demi-tour à peu près à 20 mètres, 15 mètres, pour repartir dans l'autre sens. Et lui, il faisait la couverture. C'est-à-dire que moi, j'étais sur le porche, il m'a tiré dessus directement. Hein. Sans sommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il peut me dire ne bougez pas, par exemple, ou s'il me disait ne bougez pas, je n'allais pas bouger, ou bien j'allais le répondre. J'ai même pas entendu ni de sommation, quoi que ce soit, mais j'ai entendu juste une détonation
Et je me suis retrouvé par terre. Les sacs dans les mains, les sacs de course. Ce n'est pas des petits sacs, les grands sacs de à peu près de 20 kilos, hein, de chaque de sac de 20 kilos. Avoir l'espoir, je ne crois pas qu'il y a l'espoir. Mais moi, la plainte, je me remets bien, mais je maintiens toujours ma plainte. Parce que c'est mon droit d'un citoyen qui était blessé, qui a perdu une partie de son corps. Hein. L'espoir peut être indemnisé. Je ne sais pas si je l'aurai un jour ou bien de mon vivant, peut-être. Je ne sais pas. Croire à la justice, je ne crois plus à la justice. Parce que quelqu'un qui était blessé comme j'ai été, et l'affaire était classée sans suite, pour moi, c'est pas la. Il n'y a pas l'égalité de la justice entre le citoyen et la police. Il y a du favoritisme. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment couverts, hein, ils sont, la police, ils sont vraiment couverts à propos des bavures qu'ils font. C'est inadmissible. Parce que les séquelles que je garde, c'est justement, on m'a ramené le bout de flashball. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours. Hein. Pour moi, ouais, je préfère continuer. Parce que ces gens-là, il faut qu'ils soient au moins punis. Pourquoi nous, on punit nous, citoyens, eux, ils ne doivent pas être punis. Ou bien que je le vois en face. Qui s'explique, au moins, même pas du tout. Les années passent et puis il n'y a jamais eu de justice. Bon, où est la justice? Pour moi, il n'y a pas de justice. Ce pays, quand on dit égalité, fraternité, je ne crois pas. Il n'y a pas de justice. C'est une justice à deux vitesses. On critique, on peut bien critiquer les autres pays, mais ici, c'est pire encore. Moi, pour moi, il n'y a pas de justice. Avant, en 99, il n'y avait pas cette route-là. C'est nouveau, ça. Ça a été refait, ça fait même pas 6 mois. Hein. C'est réouvert. Vous voyez la descente d'escalier là, pour descendre au parking. Cette terrasse-là allait jusqu'à là-bas. C'est-à-dire que pour venir, pour monter ici, il fallait remonter dans cet escalier-là, remonter sur la terrasse et c'était au même niveau que ça, la terrasse, au début. On venait là. Et ça s'est passé, vous voyez, juste là où on commence à se coûter, il y avait un poteau là à l'époque. Il y avait un poteau. Et les bâtiments, ce bâtiment-là, il y avait un autre bâtiment encore qui allait jusqu'à là-bas, au bout là-bas. Deuxième bâtiment, ça c'était plus long. C'était rallongé jusqu'à là-bas le bâtiment. Et le bâtiment a été rasé, ils ont fait cette route-là, et puis l'autre bâtiment, c'est le même bâtiment que celui-là qui a été rasé. Et je montais là-bas, et là où ça s'est passé, c'est juste au bout de passage de côté. Il y avait un poteau, là, j'étais juste en face, j'ai entendu une détonation, c'est là où je suis tombé. Et la voiture de la police, ils étaient juste au milieu entre cet escalier-là et l'autre escalier, ils étaient juste au milieu entre les deux.